Foot est fait, bonjour. Patrick, mon ami Patrick Nérini m'a dit « En Martinique, ils sont en chemin pour l'autonomie, leur drapeau est un vrai drapeau. » Oui, sauf qu'un drapeau, c'est pas suffisant, il manque l'hymne national et pourquoi pas la victoire en chantant, mais c'est peut-être une autre histoire. Marie-Luce, Justine, depuis la loi de juillet 2000, la représentativité des femmes parmi les élus est remarquable en Guadeloupe. Dans les conseils municipaux, départementaux, régionaux, la parité est quasiment atteinte. Dans les 6 intercommunalités, il y a 44% de conseillères communautaires, ce qui est comparable aux autres DOM et bien supérieur au niveau national, 31%. Mais les 3/4 des postes de maire et les 2/3 des postes de président et vice-président dans les intercommunalités sont occupés par des hommes. On disait aussi que c'était trop beau. Thierry Yado vient de publier « Plongé en eau trouble », exposé d'une enquête où il dénonce pêle-mêle, corruption, trafic d'influence, facturation illégale dans les marchés de l'eau en France. Il y a un chapitre sur la Guadeloupe qui est à lire, c'est gratiné. Harry Chalus, président de région, voulait un bus de mer pour relier par voie maritime Pointe-à-Pitre à Jarry, puis Le Gosier à Pointe-à-Pitre et à Jarry. Maintenant, on parle de Sainte-Anne-Jarry avec des escales, mais aussi de Petit Canal Jarry, toujours avec des escales. Puis, sans doute pour l'an prochain, si tout va bien, un Capesterre-Belleau, région pointoise, qui devrait ravir ceux qui se prennent les bouchons 2 fois par jour sur la nationale. Josette Borel l'Incertain, présidente du conseil départemental, est moins visible ces temps-ci. Récemment, elle était à l'Élysée. Cette socialiste, bien dans sa fonction, a dit au président Macron « On ne lutte pas contre le fléau de l'illettrisme en construisant des écoles toutes neuves. » Avant de demander au président de la République que l'humain soit pris en compte pour que nous puissions signer les contrats de convergence, la séduction n'a pas marché, semble-t-il. Les contrats, néanmoins, devraient être signés à la fin de ce mois. Bonsoir et à demain.